bénissons grandement ton nom. Toi qui es présent, toi qui es je suis, tu es dans ta parole, tu es dans ton esprit, tu es dans le vent, tu vis dans nos vies, tu fais de nos vies ta demeure. Voilà pourquoi nous te bénissons. Cette parole qui nous dit, là où deux et trois se réunissent, en ton nom tu es là, nous saluons cette présence divine qui s'impose au milieu de nous pour nous bénir, pour nous transformer, pour faire de nous fils de la maison de Dieu. Que tu sois ainsi élevé au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous asseoir. J'ai béni ta présence. J'ai béni aussi la présence de Dieu au milieu de nous. J'ai béni l'homme de Dieu qui a conduit la prière avec un esprit de révélation, avec une pensée prophétique. C'est dans cette allure que nous allons continuer. L'allure des révélations, l'allure des prophétiques, afin que l'église de Dieu que tu es, l'église de Dieu que je suis, que nous soyons bénis. Bénis de la bénédiction de Dieu. La Bible dit elle ne sera jamais ôtée. Quiconque serait béni de Dieu, il ne sera jamais ôté de cette bénédiction. Même quand il mourra, il le ressuscitera. Parce que la plus grande bénédiction, c'est la semence de vie. Je voulais dire à l'assemblée, soyons souples. Soyons les enfants de Dieu. Vous savez, quand vous entrez dans l'église, soyez attentifs à l'esprit, à l'atmosphère de l'esprit. J'entendais l'homme de Dieu parler des choses, prophétiser par la parole. Mais on n'était pas réceptif. Cependant, quand il dit mettez-nous debout, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part. Vous vous contentez à demeurer dans votre chair. Vous vous contentez à écouter votre maladie. Vous vous contentez à écouter votre corps. Et vous laissez passer l'esprit de Dieu. Qui pouvait peut-être venir vous bénir et vous guérir. Et vous les laissez passer. C'est ainsi quand l'ange venait bouger l'eau, les plus rapides, les plus réceptifs, ils se jetaient pour recevoir la bénédiction. Alors toi n'attends pas que Christ vienne pour que tu lui dises je n'ai personne pour me jeter. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Oh, alléluia. Amen. Nous avions été bénis les dimanches. J'étais vraiment béni de l'homme de Dieu, le pasteur qui s'appelait Billy, le pasteur Billy. Tungaji Billy. Que le Seigneur vraiment les bénisse encore. Et encore. Na tena. Il nous avait donné des grandes révélations. Il a dit l'homme, c'est les eaux. Ni maji. C'est les eaux. Quand l'homme se met debout, c'est parce que les os qui sont en lui fait tenir le corps. Il est allé dans la révélation pour dire les os qu'il est en train de parler, ce n'est pas les os de la constitution de l'anatomie. Il est allé pour dire les os selon l'esprit, c'est l'esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est appelé à maintenir notre corps debout. Qui est appelé à rendre notre corps vrai. Et quand il parlait de ces choses, ça m'amenait dans d'autres dimensions. Et c'est de là que j'ai trouvé aussi la part de ce que nous pouvons partager. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ne rêve pas d'un monde qui ne viendra pas. Ne rêve pas d'une vie qui ne sera pas possible. Cependant que Christ t'a offert une vie, une vie peut-être que tu ignores, une vie peut-être qu'on ne t'avait jamais parlé. J'ai été encore doublement béni dans la
dans les groupes de l'église, katika kundi ya kanisa, il y a l'homme de Dieu qui, un homme de Dieu qui a balancé une vidéo. Kuna mtu mungu ambaye alituma video. Ça m'a tellement enrichi. Ikaniongezea tena sana. Un musulman, muslim moja, un prédicateur musulman, mubiri moja muslim, un sheikh, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. Dieu anaitwa wa sheikh. Qui était converti. Ambaye aliokoka. Non parce qu'on l'avait prêché. Apaza bali mubiri. Il y avait personne qui est allé prêcher cet homme. Mais dans son témoignage, il dit, le Coran l'a prêché. Le Coran l'a fait devenir chrétien. Ça m'avait vraiment interpellé. Je voulais vraiment suivre cette vidéo pour comprendre comment est-ce qu'il a rencontré Christ. Il est allé plus loin, il a dit, je n'ai pas croisé un Christ, hein. Comment parler? Je n'ai pas croisé un Christ, hein, de l'histoire, mais j'ai trouvé un Christ dans le Coran. Il est allé plus loin, il a dit ceci. Cependant qu'il était enseignant des Corans, il a lu plusieurs fois les Corans. Il a trouvé le nom de Mahomet deux fois. Mais il a trouvé le nom de Jésus six fois. Et il a cherché dans les Corans, il n'a pas trouvé le nom d'une femme. Mais il a trouvé seulement le nom d'une seule femme. Le nom de la femme qu'il a trouvé dans le Coran, c'est la mère de Jésus, Marie. Mama wa Yesu, Maria. Oh, alléluia. Amen. Je m'introduis à ça. Na ingiza nikisema hivi. Parce que ça m'avait vraiment beaucoup inspiré. Mwana nilifunulia sana. Et ça l'avait tellement troublé. Na ikamshangaza. Il s'est dit, akajiambia, je suis musulman. Mimi ni muislamu. Parce que je crois l'évangile de Mahomet. Mwana na amini injili ya Mohamed. Comment le Coran? Na mwanani Coran. Qui semble être le livre de Mahomet. Amara kitabu ya Mahomet. Inspiré par Dieu. Il y a funuliwa na Mungu. Parle de Mahomet deux fois. Na sababu Mahomet mara mbili. Mais le Coran qui nous interdit de Christ. Ba le Coran ambao tukataza Kristo. Il parle de Christ. Christ, il a voulu comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Coran nomme-t-il Christ? Dans cette vidéo-là, lui-même il est allé dire, le Coran a dit que Christ est la parole. Comme Christ ni neno. Le Coran a dit que Christ est vie. Comme Christ ni uzima. Le Coran a dit que Christ était mort. Comme Christ alikufa. Et Christ est ressuscité. Na Christ, et il est monté, il reviendra. C'est dit dans le Coran. Mais maintenant le Coran interdit que quiconque chercherait à connaître Christ, Christ, on le mettra à mort. Alors il s'est dit, c'est que je suis dans les faux. Yani, je dois chercher ce Christ. Il est allé dans une mission sans dire à ses parents. Bila kambia wazazi wake. Parce qu'il n'avait que 18 ans. Mwana alikuwa na miaka 18 tu. Quand il est allé, il a été enseigné. Alipenda kule akafunzwa. De la Bible. Kuhusu Biblia. Il a vu, il a compris ce que c'était Christ. Akaelewa Kristo ni nani. Écoutez ce qu'il m'a dit. C'est ce aliniambia. Dans cette vidéo, il dit. Katika video anasema. Ses parents commençaient à le chercher. Zoeko kataka kumtafuta. Parce que là où il était, alipenda mako alikuwa. Il ne pouvait pas sortir. Aingeweza kutoka. Il était assoiffé de comprendre. Alikuwa na kiu ya kuelewa. Et les parents l'ont cherché. Na wazazi wakamtafuta. Et les parents avaient su. Wazazi il était dans un centre religieux. Comme alors katika mahali pa Wakristo. Ils sont allés le trouver. Wakaenda kumpata. L'homme a dit. Mtu akasema. Son père l'a tabassé à mort. Baba yake alimpiga karibu kufa. Jusqu'à ce qu'il a perdu connaissance. Son père l'a pris. Wakaenda kumchukua. Il est allé avec lui chez lui à la maison. Il l'a enfermé dans une chambre. Akamfunga katika chumba. Enchaîné dans une chambre. Akamfunga minyororo katika chumba. Un musulman. Muislam. Enchaîné. Akafungwa. Et quand il était enchaîné. Alipofungwa. Il dit ceci. Anasema hivi. Il a fait 20 jours sans boire, bila kunywa, sans manger, bila kula. Il était devenu squelettique. Akakuwa kama mifupa. Il ne savait plus parler. Hakuwa tunasema. Il saignait de la bouche. Lui-même il a dit ceci. Cependant qu'il saignait, il profitait de ces saignements-là pour désengorger sa voix. Ili apata tena kuleta maji. Il était au bout du gouffre. Karibu ya kufa. Il allait mourir. Atafuta kufa. Et le 20e jour, na siku ya 20, son petit frère, mtoto wake mdogo, est venu dans la chambre. Katika chumba. Il ouvre sa chambre. Aka il le voit, il lui dit, toi tu quittes les musulmans. Wewe unaacha waislamu. Pour devenir chrétien. Tu uwe mkristo. Ton sort c'est la mort. Le petit frère pisse dans la bouche de son frère. Pour lui montrer combien qu'il est allé au-delà de la frontière. Alienda kuvuka mipaka. L'homme a bu ses urines. Parce qu'il avait pas soin de désaltérer sa soif. Alikuwa na haja ya kumaliza kiu. Et quelques minutes après,
C'est son père qui vient. Qui vient l'étrangler. Le papa avait un couteau. Il dit à ses garçons. Toi là tu fais la honte. Tu as quitté les musulmans pour te faire chrétien. Or dans notre Coran on dit, ne laissez pas un chrétien vivant. Si quelqu'un voulait se débarrasser de la religion musulmane, qu'il soit mis à mort. Le papa vient avec le couteau. Il étrangle l'enfant. L'enfant commence à se battre. Et il voit le papa avec le couteau. Subitement lui-même il dit, il voit une lumière. Il voit une énergie forte. Qui vient qu'il pénètre ses muscles. Il cite le nom de Jésus. Son père se projette par terre. Le même couteau qu'il avait entre ses mains le trancha la poitrine. Le papa commence à crier. L'enfant dit ceci. Il n'a pas compris cette énergie. 20 ans, 20 jours sans boire et sans manger, il s'est relevé. Il s'est mis debout. Il commence à partir et à courir et à courir. Et il continue à courir jusqu'à aujourd'hui. Il court dans la foi à la rencontre de ce Christ. Il a dit quelque chose. J'ai rencontré un Christ que même le pape ne m'a pas prêché. Un Christ vrai. Un Christ réel. Christ qui peut redonner la vie même aux ossements. Qui peut faire sécher même la soif. Un Christ qui peut mettre debout quelqu'un qui n'a pas pu manger pendant 20 jours. 20 jours. La science dit non. À 14 jours, à 15 jours tu meurs. Mais 20 jours. Parce qu'il est à la quête de Jésus. Il a trouvé la vie que la nourriture ne donne pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a trouvé la santé que même la science ne sait pas déterminer. Il a trouvé la force des ossements que la famine ne pouvait pas redonner à nos jours. C'est ce Jésus-là que nous voulons pas. Je voulais inciter quelqu'un de te faire quitter le rêve. Des utopies, mandoto, des choses vito, que l'avenir ne te réserve. J'ai parlé avec quelques serviteurs de Dieu qui ont peur des informations, des décisions qui seront prises dans des mois qui viennent, des décisions mondiales. C'est-à-dire, yani, les nations se mettent ensemble mataifa wana pour donner des injonctions. Ili wapane maamri. Nous allons constater tous les présidents, surtout des tiers-monds, qui vont Afrika, résister à ça. Ambo watapingana na hiyo jambo. Ils seront mis à mort. Watawawa. Ils seront destitués de leurs fonctions. Parce que le monde des ténèbres est en train de mettre en place un système qui prépare l'antichrist. Ils sont en train de tester jusqu'où l'obéissance humaine ira avec les nations. Alors je suis en train de me dire, demain après demain, la France, la Belgique, au Belgique, l'Italie, Italia, la Suisse. L'Allemagne, ils sont en train de mettre sur pied une loi qu'ils vont bientôt promulguer. Tu ne voyageras pas si tu n'as pas eu le vaccin. Est-ce que le vaccin est-il le sceau de l'antichrist? J'ai dit non. Je chanjo ni muhuri wa mpinga Kristo hapana. Moi, j'ai dit non. Mimi nasema hapana. Mais ils sont en train de mettre en place une pensée philosophique différent à ce que les gens se soumettent à celui qui apparaîtra. Des forces ou des grès. Il dit ceci, personne alors ne va plus voyager si tu n'es pas vacciné. Aucun élève, aucun enfant ne fréquentera les écoles s'il n'est pas vacciné. Ils disent, maintenant ils laisseront les rayons dans les...
dans des supermarchés. Wataacha manafasi fulani kwenye supermarket. Deux fois par semaine. Mara mbili kwa juma. Pour quiconque ne sera pas vacciné. Kwa yule ambaye atakuwa atachanjwa. Il va aller au marché deux fois. Ataenda sokoni mara mbili. Avec une limite des choses qu'ils vont acheter. Na mipaka ya vitu ambavyo wanaweza kununua. Mais ceux qui seront vaccinés. Na watakao chanjwa. Ils seront libres. Watakuwa huru. Les taxis ils entreront. Wataingia kwenye matex. Les bus, les métros ils entreront. Mabisi wataingia kupote. Alors, c'est une pensée quand j'entendais de ça. J'ai toutes ces vidéos avec moi là. Des gens qui promulguent déjà ce que les nations veulent faire. Alors je me mettais à prier. J'avais peur au dedans de moi. Je me dis Seigneur. Presque toute ma grande famille est là-bas. Et tous quand il y a des décisions à prendre. Ils recourent à moi. Ils me disent pasteur. Que devrions-nous faire dans telle circonstance. Des fois je manque de réponse. Mais c'est pendant que j'ai prié. C'est pendant que j'ai cherché la parole de Dieu. Le Seigneur m'a ramené à quelque chose. Que nous voulons partager aujourd'hui. Que nous continuerons à le faire demain. Nous continuerons encore les vendredis. Les dimanches, nous allons clôturer sur ça. C'est la chose qui te prépare à la vraie Sainte Seine. Notre grand terme sera la Sainte Seine. Le mystère de la Seine. Le mystère. La Sainte Seine. C'est un mystère. Elle n'est pas ce que nous pensons être. Elle n'est pas seulement un symbole. Je ne crois pas. Quelque chose que Christ pourrait insister dessus. Que ça puisse rester un symbole. Nous allons découvrir toutes ces choses. Mais cet après-midi, je vais nous parler d'un petit thème qu'on n'aime pas entendre. Les chrétiens qui ont déjà fait marche n'aiment pas entendre se remettre en cause. C'est ça. Se remettre en cause. Kujihukumu wenyewe. Se regarder encore plus. Kujiangalia tena zaidi. Moi j'ai toujours supplié le Seigneur. Nikoni kimusii Bwana kila leo. Il m'épargne de la vie chrétienne d'habitude. Anitenge na maisha ya Ukristo ya kawaida. Je vais chercher Christ encore et encore. Nataka tafute Kristo tena tena tena. Je sens qu'il est à moi, je le cherche encore. Hata napo sema ndani mwangu na mtafuta tena zaidi. Comme s'il ne l'ayant pas. Kama vile hajakuwa bado. Je m'examine encore et encore. Na jaribu tena zaidi zaidi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Nini siyafanya? Qu'est-ce que Dieu me demande qui me semble difficile? Nini ambapo Mungu anaomba. Je sollicite la gloire, la grâce de Dieu. Je vais parler de quelque chose qui, si le Seigneur par cette parole te parlait, rentre chez toi à la maison. Sollicite la grâce du Saint. En fait, nous allons parler d'un petit thème. Renoncement à soi-même. Kujikana mwenyewe. Renoncement à soi-même. C'est vraiment un petit thème. Renoncement à soi-même. Nous voulons comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça. Je voudrais par le Saint-Esprit pour ces petites minutes qui nous restent déposer vraiment quelques fondements sur ta foi. Je ne doute pas de ta foi. Je ne doute pas de ta marche chrétienne. Mais je me pose une question. Est-elle la forme, a-t-elle la forme de Christ réellement? Est-ce que la vie chrétienne que tu mènes, que je mène, n'est-elle pas inventée par toi-même? N'est-elle pas une image de tes pensées? Elle n'est pas le produit des choses que tu choisis toi-même, des choses que tu dois pratiquer, des choses que tu veux vivre toi, et celles que tu dis ça c'est réservé pour les autres. Nous allons voir cette démarche de Jésus. Nous allons prendre notre Bible. Prenez ta Bible. Prends Marc chapitre 8. Le verset 33 à 34. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit:
Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, et qu'il me suive. Nous acclamons Amen. La parole de Dieu. Nous la voir. Oh, je veux que tu acclames. Attends, je veux que tu acclames la parole qui est vie, non, 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 la parole qui est vérité. Non, 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 écoutez la phrase que j'ai aimée. Si quelqu'un a bon que Jésus appela ses disciples. Yes, et il appelle la foule. Na ce n'était pas une parole adressée aux disciples. Mais c'était une parole de tout le monde. Et les disciples et la foule. Cependant que les disciples étaient déjà des gens de distinction. Des personnes qui étaient déjà avec Christ. Ils étaient habitués avec Christ. Ils ont vécu les miracles. Ils ont entendu les paroles secrètes. Mais ces jours-là, la Bible me dit, Jésus refuse de leur parler à eux seuls. Il les appelle et il appelle la foule. Il veut poser une parole. Une parole qui est un chaos. Une parole qui est un trouble. Une parole qui est impossible à gérer. Jésus le regarde et il regarde la foule. Jésus dit ceci. Ça c'est moi qui va commenter. Les disciples les suivaient déjà. Les disciples étaient déjà disciples. Cependant ils n'étaient pas épargnés de cette parole. Et il appelait la foule qui n'était pas disciple. La foule était païenne. Mais Jésus les appelle après lui. Il leur dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi. Voilà, c'est ce que je voulais. Après moi. C'est-à-dire moi je serai devant. Et elle, la personne sera derrière. En train de me suivre. Mais il dit, je vais poser une condition. Mais qui sera résumée en deux. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et après qu'il prend sa croix, qu'il ne prenne pas la croix de Jésus. Parce que Jésus avait sa croix. Mais personne qui cherchera à suivre Christ, qu'il prenne aussi sa croix. Mais avant de prendre sa croix, qu'il commence à renoncer à soi-même. Nous voulons être bénis de ces deux choses. Le renoncement de soi. Et prendre sa croix. La croix que parle Jésus est-elle une souffrance? Est-ce qu'est-elle une maladie qui ne nous quitte pas? Souvent le monde a l'habitude de dire, je me suis marié à un mari soulard qui me bat toutes les nuits et les jours. Et la personne qui l'entendra parler, il va lui dire, il est ni musalabaya. Ça c'est ta croix. Est-ce que c'est ça le musalaba? Nous voulons comprendre un peu ces choses. Est-ce que le musalaba que nous parle Christ ici? C'est une pauvreté. C'est une maladie. C'est le chômage. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? De la croix, c'était quoi? Je voulais demander une personne qui peut comprendre cette croix-là. Qui a une connaissance de cette croix qu'on parle ici? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Tu peux peut-être nous bénir. Vous comprenez? Le monde a traduit, a transformé sa croix en sa propre manière. Est-ce que la croix, c'est la souffrance qu'on trouverait dans la marche? Moi je pense que non. Et je pense peut-être que oui. Mais nous allons chercher à comprendre à la lumière de la parole. Jésus vient. Il regarde les disciples. N'est-ce pas que vous me suivez? N'est-ce pas que vous êtes mes disciples? Il regarde la foule. N'est-ce pas que vous ne me suivez pas? Vous me suivez pour la nourriture. Et vous suivez pour écouter la parole. La parole ne te suffit pas sans qu'il y ait un préalable.
Ça qui est un fondement, un socle. Kama hakuna msingi na mwamba. Donc j'ai compris par là. Je l'ai parlé. Que Jésus voulait nous faire comprendre. Ta kutuelewesha. Que avant d'être appelé chrétien. Kabla ya kuitwa mkristo. Avant que tu n'acceptes même Jésus. Kabla hujakubali hata Yesu. Il y a un travail à faire au départ. Kuna kazi ya kufanya ndani yako. Ici. Apa. Le caractère de cette phrase. Mwendo wa hii. Ce n'était pas une imposition. Haikuwa shurti. Jésus n'a pas imposé. Christo akusurtisha. Mais il a sollicité la volonté humaine. Bali ali dai utasi wa mtu. Je vais nous faire comprendre ataka ça. Nikueleweshe. Il dit ceci. Anasema hivi. Si quelqu'un veut. Ikiwa mtu anataka. Il y a un vouloir là-dedans. Kuna kutaka. Il y a une volonté de la kuna personne. Kuna utasi wa mtu. Donc c'est-à-dire venir à la suite de Christ. Kuja kumfuata Christo. Cela dépend aussi de toi. Na pia na wewe. En grande partie, c'est ta volonté. Kwa sehemu kubwa ni utashi wako. Ne cherchez pas à impliquer le Saint-Esprit les choses qu'il ne peut pas faire. Usitafute kupatia Roho Mtakatifu kazi ambayo hawezi fanya. Il dit devenir chrétien. Asa kukua mkristo. Il faut le vouloir. Inabidi kuitaka. Il faut le désirer. Inabidi kuitamani. Et si tu le désires. Na kama unaitamani. Tu ne l'imprimeras pas à ta manière. Hautaifanya kwa mwendo wako. Tu attendras celui. Utangoja yule. Qui est l'image parfaite de l'imprimer maintenant en toi. Mais ça demande ta volonté. Tu vrai Christ. Jésus dit si tu veux, si tu le peux, alors tu peux venir. Alors, mais quand tu vas venir, prépare-toi à porter ta croix et non la croix de Christ. Ta propre croix. Donc chacun de nous a sa croix. Je vais nous expliquer ce que c'est le renoncement de soi. Alors qu'est-ce que renoncer à soi-même? J'étais en train de chercher dans la Bible pour imprégner vraiment le sens du renoncement. Est-ce que renoncer à soi-même, c'est s'efforcer à ne plus vivre comme le monde? Je pense pas. Vous savez que Christ a besoin de ses corps. Est-ce que renoncer à soi-même, c'est aller vivre en dehors de son corps? C'est en dehors de ses désirs. C'est pendant que Christ avait aussi les désirs. Paul en avait aussi. Paul mais qu'est-ce que renoncer à soi-même? Voici une image d'un type de modèle du renoncement de ya soi. Na nous allons prendre Philippiens. Tachukua wa Philippi. Philippiens. Wa Philippi. Chapitre 2. Sura ya pili. Le verset 5. Mustari wa 5. Au 8e verset. Mpaka mustari wa 8. Vous allez comprendre qu'est-ce que le renoncement. Mutaelewa kujikana mwenyewe. C'est après les petits commentaires qu'on va faire. Nous allons nous lancer dans la prière. Dans les désirs de renoncer. Katika akutaka kujikana. J'ai commencé par dire c'est le commencement de toute vie. Ni mwanzo wa kila uzima. C'est à partir d'ici que tu vas te murer. Ni kuanzia hapa ndio utajiweka katika kio. Tu vas regarder en toi-même. Utaangalia ndani yako mwenyewe. Est-ce que tu avais vraiment suivi Christ par renoncement? Ulimfuata Kristo kwa kisha kujikana. L'image du renoncement. Mfano wa kujikana. Jésus te demandait à la foule. Yesu akuambia ce que lui avait fait. Ile ambayo alifanyaka. Ce que lui était. Ile ambayo alikuwa. Il était le modèle du renoncement. Alikuwa mfano wa kujikana. Et il voulait maintenant que l'homme qui se mettrait à le suivre. Nataka sasa mtu ambaye atajitwaka kumfuata. Renonce aussi à sa nature. Akane pia asili yake. Pour devenir quelque chose. Ili awe kitu fulani. On peut nous faire la lecture. Tunasoma wa Filipi 2:5 hadi 8 kwa jina la Yesu Kristo. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les premiers sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix. Nous acclamons cette parole là.
là. Oh, je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Au fait, cette parole ici va nous préparer au surnaturel. J'aime l'homme de Dieu, Bishop. Que Dieu le bénisse sans. Et encore et encore et encore. Tena. Lui qui nous a appelés à entrer à une vision qui l'hébergeait. Il ne cessait de dire qu'il était enceinte. Il dit, je suis enceinte d'une vision. Et je veux le voir accoucher de cette vision. Et quand tu lui as demandé quelle est cette vision, il a dit la création des églises par saturation. L'implantation des églises par saturation. Et l'anakazo qui demande à ce qu'il n'y ait pas de l'espace vide ici. Mais il scella la vision. Il dit la rencontre du surnaturel. Je voudrais qu'on parle sur le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est le début de ta marche chrétienne. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Si tu es déjà chrétien, mets dans ta tête que tu n'es plus un homme normal. Tu es la fusion du surnaturel avec l'humain. Mais maintenant, le manque du renoncement de soi t'empêche de vivre le surnaturel. T'empêche d'entrer dans le surnaturel. Dans le rendez-vous des aigles. Des personnes qui voient des événements avant que cela n'arrive. Des personnes qui voient les péchés avant que cela n'atteigne le corps. Les hommes Dieu, watu Mungu, parce qu'ils ont la race de mana wanaka kisazi ya Mungu. Surnaturel. Kutmiutisa. L'église, kanisa, elle n'est pas locale. Aiko ya mahali. L'église est spirituelle. Kanisa ni ya roho. L'église que tu es, kanisa ambayo unakuwa. Si tu te comprends par cette verse, tu comprendras que utaelewa kwamba tu n'es pas chair, auko mwili, mais tu es esprit. Bali uko roho. Alors il faut laisser place. Alafu bizi kwa nafasi. À cet esprit d'agir. Kwa ile lorsque l'esprit prendra place, cette église sera transformée. Il n'y aura plus un malade. Il n'y aura plus un quelqu'un qui souffre. Parce que Dieu sera au rendez-vous. L'homme de Dieu a dit, c'est la rencontre des surnaturels. Jésus regarde. Il voit les disciples le suivre. Il voit la foule le suivre. Mais il contemple dans leur esprit. Ils n'ont pas la vision exacte de ce que suivre Jésus présenté, de ce que être à sa suite présentée. Chacun d'eux avait son image. C'est la raison qu'on a vu au verset précédent. Il a réprimandé Pierre. Il a dit, arrière de moi, tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Toi, tu es en train de les matérialiser. Tu es loin de ce que je pense de vous. Tu es loin de ce que je veux faire de vous. Alors, c'est le diable. Alors, arrière de toi. Arrière de toi. Parce que je veux faire de toi un homme. Philippiens qu'on vient de lire, il nous montre l'image du renoncement. Le renoncement de soi, c'est la clé des surnaturels. Le renoncement de soi, c'est la clé de l'identité de Christ. Si tu n'étais pas encore renoncé à toi, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Tu marches selon toi. Jésus veut voir des disciples, des chrétiens qui ont renoncé à eux-mêmes comme lui-même l'avait renoncé. Le renoncement à Dieu, à soi-même, c'est se refuser pour se revêtir de l'image de Christ, se revêtir de la divinité de Christ que Christ a renoncé. Je vais vous donner un petit exemple pour vous comprendre. Élie devrait monter. Élie Alibizi anapanda. Il était en veste comme mon frère. Alikuwa anavaa koti kama ndugu yangu. Et c'est moi Élisée. Na mimi ndiye Elisha. Je voulais lui ressembler. Nitaka nimfanane. Élisée voulait être Élie. Elisha alitaka kuwa Elia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Je peux te dire, Élisée, Elisha, il n'était pas prophète. Akukuwa nabii. Mais Élie, Bali Elia, était prophète. Alikuwa nabii.
Il désirait à devenir Élie. Alitamani kukua Elia. Parce qu'il avait vu la puissance. Mana alionaka uwezo. Il avait vu l'autorité de Dieu. Mamlaka ya Mungu. Il a vu les eaux se déchirer. Akaona maji kipasuka. Parce que Élie passait. Mana Elia alikuwa anapita. Il a vu la pluie être arrêtée. Aliona mvua inasimamishwa. Parce que Élie désirait. Mana Elia alitaka. Sur sa parole. Kwa neno lake. Élisée se disait. Elia akajiambia. Siku nitakuyaka sa ubwa. Le jour où je deviendrai comme lui. Inatosheka. Je serai satisfait. Là, je serai satisfait. Parle. Mais pour le devenir, il y avait une condition. Si tu me verrais monter, est-ce que quelqu'un t'avait dit? Si tu me verrais monter dans le char de feu, la condition était dure. Regardez dans le char de feu, trouver Élie. Faire abstraction du feu. Kusahau moto. Ne voir que Élie. Na kuona tu Elia. Pour devenir comme lui. Ili awe kama yeye. Alléluia. Amen. Le salut n'est pas gratuit. Wokovu haiko ya bure. Nous les Africains. Sisi wana wa Afrika. Nous aimons bien la gratuité. Napendaka sana bya bure. Le salut n'est pas gratuit. Wokovu haiko bure. Le salut est conditionné. Wokovu ina masharti yake. On dit le salut est gratuit. C'est parce que tu n'as rien fait pour l'avoir. Mais celui qui va te le donner, il exige la repentance. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? La Bible dit, repentez-vous. Donc avant d'avoir le salut, il faut se repentir. L'échange de monnaie du salut, c'est la repentance. Or, il n'y a rien de plus dur que la réponse. Et il dit à Élisée, lorsque tu me verras, monte, je te laisserai mon autre moi. Quel était cet autre moi? Les choses que Élie sait de faire. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi là? C'était le manteau, un habit, vase, que lui portait, dans lequel il a laissé sa divinité. Il a laissé les parties de lui. Il a dit, si tu me verrais seulement, si tu voyais seulement, je constaterais. Et cette montée était entourée de beaucoup de mystères. Parce que la curiosité d'Élisée pouvait partir au feu. Ya Elisa ingelienda aanze angalia moto. Quand on parle de chars de feu, zungumzia gari za moto. C'est quoi en réalité? Nini kiukweli? C'était des anges. Ilikuwa malaika. Mais sous forme de feu. Kwa hali ya moto. Un grand feu. Moto mkubwa. Une grande flamme. Moto mkubwa. Qui pouvait attirer l'attention de toute personne. Ambayo ingevutia kila mtu angalie. Mais maintenant il y avait quoi? Alafu kulikuwa nini? Il y avait la symbiose des deux choses. Les choses que Élisée n'avait jamais vues. Et la personne à laquelle il était habitué. Il y avait un choix à faire. Quelqu'un est avec moi là? Il a vu un surnaturel. Les anges qui l'ont entouré. Mais sous forme d'un feu. Lakini kwa mfano wa moto. D'une grande flamme. Na moto mkubwa. Il pouvait commencer à dire, si on a Kaïbia, je n'ai jamais vu telle chose. Ça pouvait détourner son attention sur lui. Cependant, la condition était, si tu me voyais monter, et dans cet exercice, l'idée a tout fait de faire semblant de ce qui entourait Élie pour fixer son regard sur lui. Quand Élie a constaté, il a pris sa divinité, il a jeté. Alléluia. Amen. Pour qu'un homme naturel ili mtu wa kawaida se revête aussi de Dieu. Avae pia Mungu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi là? Je me trouve à pas. Maintenant Jésus avait fait plus que ça. Alors Jésus a fait zaidi ya hiyo. Oh, le verset me dit ceci. Ananiambia hivi. Lui qui était Dieu. Yeye ndiye alikuwa Mungu. Jésus n'était pas comme. Yesu hakukua kama. Non, il était Dieu. Alikuwa Mungu. À cause de toi. Sa kwa ajili yako. À cause de moi. Kwa ajili yangu. Il s'est dit, je vais me faire des fils. Akasema nitajifanya nini na wana. Je vais me faire des filles. Nitajizalia wabinti. Je vais laisser mon royaume vivre. Nitaacha ufalme wangu wasi. Je vais porter l'humilité. Utu.
Je vais porter l'humiliation. Nitavaa kudharau. Il se fait créature. Akajifanya uumbaji. Dieu a renié sa nature. Akakana asili yake. Pour devenir créature. Ili awe kiumbe. L'intention de Jésus était quoi? Je pars me chercher des hommes. Naenda kujitafutia watu. Que je vais faire d'eux des dieux. Ambao nitawafanya wawe miungu. Alléluia. Amen. Il dit, Rasema, j'enlève mon manteau de Dieu. Ninafua koti yangu ya Mungu. Comme Élie avait enlevé. Kama vile Elia alifuaka. Mais je vais l'amener. Nataipeleka. Sur la terre. Duniani. Auprès des hommes. Kwa watu. Je me fais homme. Tatifanya mtu. Pour que je fasse d'eux des dieux. Ili niwafanye wao wa Mungu. Mais si seulement si. Na kama tu. La personne le désire. Mtu anatamani. Si seulement si tu le désires. Ikiwa tu unatamani. C'est pourquoi Marc nous dit, c'est lui qui veut me suivre. Yule ambaye anataka kunifuata. Qu'il renonce à soi-même. Ajikane mwenyewe. Qu'il renonce à soi-même. Ajikane mwenyewe. Parce que ta chair. Maana mwili wako. T'empêche de vivre le surnaturel. Inakuzuia kuishi miujiza. Ta chair. Mwili wako. Ne te permettrait pas de monter. Aida kuruhusu kupanda katika viongo vya kiroho. Alors je viens avec le manteau. Afu nakuja na koti. Le manteau que j'ai enlevé. Kwa sababu nilitosha. De ma nature que je me suis défait. Asili yangu wone nilitosha. Le verset que l'homme de Dieu venait de dire. Mustafa mtu Mungu alitoka kusema. On a dit ceci. Wanasema hivi. Il s'est fait homme. Akajifanya mtu. En se dépouillant de la nature divine. Akiwa anavua asili ya Mungu. À l'époque de Mobutu. Kwa karne ya Mobutu. J'ai vu quelqu'un. Niliona mtu. Qui était ministre. Ambaye alikuwa waziri. Qui était premier ministre. Ambaye alikuwa waziri mkubwa. Les jours que Mobutu avait dit. Siku Mobutu alisema. Tu n'es plus premier ministre. Auko tena waziri mkubwa. Il a fait l'AVC. Akapigwa la pararesi. S'est dépouillé de soi. Kujivua mwenyewe. Alléluia. Amen. Kujivua. Kujivua. C'est ce que le Seigneur attend. Yo ndio Bwana anangojea. Kujivua. C'est dépouillé. Dans ton orgueil. Katika kiburi yako. Kujivua. C'est dépouillé. Dans ton entêté. Katika kujiinua. Kujiinua. Dans ton assurance. Katika hakikisho zako. D'être ce que tu n'es pas. Ila ambao hauko. Tu penses être. Unawaza kwamba uko. Cependant que tu n'es pas. Kwa hauko. Tu n'es qu'une terre. Uko tu udongo. Tu n'es que de la poussière. Uko tu vumbi. Quel que soit l'or qui t'entoure. Ijalishi za ubwa mazungu. Quel que soit les maisons que tu as. Atasema nyumba ambazo uko nazo. Les diplômes. Ma degree. C'est ça qui te gonfle. Je vais le kuinua. Ce n'est rien. Haiko kitu. Il y a des gens qui meurent. Kuna watu ambao wanakufaka. Après avoir obtenir leur diplôme. Sasa kupata vyeti vyao. Tout l'argent de dépenses. Pesa zote ambazo walikarimu. S'envole dans le rien. Inaenda kwa bure. J'ai vu moi. Niliona mimi. Des licenciés. Wasa ila licenciés. Des détenteurs de master. Master. Devenir des sentinelles. Wanakuwa wazamu. J'ai travaillé avec eux à RTL. Moi, Mimi, un licencié. Wa licence tout. Avec quelqu'un qui a un master. Na mtu ambaye anakuwa na masters. Il est zamu. Anakuwa sentinelle. Petit licencié. Na mimi licencié mdogo. Je suis son patron. Nakuwa boss wake. Oh alléluia. Amen. De quoi tu te gonfles? Unajiinua kwa nini? Maintenant le Seigneur vient dire. Afu Bwana anakuja sema. Tu veux être à ma suite? Unataka kunifuata? Tu veux devenir chrétien? Unataka kuwa mkristo? Commence à renoncer. Anza kujikana. Commence à renoncer. Anza kukana. De ta nature humaine. Asili yako ya mwanadamu. Cette nature humaine. Yo asili ya mwanadamu. Qui te donne des objectifs. Ambao anakupatia mashabaha. Utopique. Ambazo hazuwezi kufikia. Des choses que tu ne peux pas recevoir. Ndoto hazuwezi kupata. Des rêves inutiles. Ndoto ambazo hazina maana. Tu abandonnes ce qui est utile. Unaacha jambo ni ya maana. La notion d'un Dieu. Iyo fuzu ya Mungu. L'offre d'un Dieu. Kujua kama Mungu yuko. Qui s'est défait de sa divinité. Aliyejivua huyu Mungu wake. Pour devenir homme. Ili awe mtu. Pour marcher avec toi. Ila tuwe pamoja na wewe. Et il te dit ceci. Na nakwambia hivi. Tu veux me suivre. Unataka kunifuata. Tu veux vivre le miracle. Unataka ishi miujiza. Tu veux entrer dans le surnaturel. Commence d'abord à te défaire. Anza kwanza kujivua mwenyewe. Commence à enlever les calculs humains. Anza kuondoa hesabu za watu. Dieu ne demande pas des calculs. Vitu vya Mungu havipendi hesabu. Les choses de Dieu ne demandent pas des analyses. Vitu vya Mungu haviombe kuchambua chambua. Anza kwanza. Enlever ton humain. Ondoa utu wako. La façon de raisonner comme hali yako ya kuwaza kama mtu. Entre dans les surnaturels. Na uingie katika miujiza. Accepte de prendre la forme. Kubali kukamata umbo. Que je vais te donner. Ambao nitakupatia. Et cette forme là. Na hiyo umbo. Ne sera pas facile. Haitakuwa rahisi. Cette forme là, Yombo, c'est la mort des choses en toi. Ni vifo ya vitu ndani mwako. J'aime beaucoup ces versets. Après ça, il dit de Matthieu. Ya Matayo. Je pense 3 ou de Matthieu 2. Sura ya 3. Qui nous parle de la naissance de Jésus. Ama tukumzia kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. C'est toi qui as avalé la Bible. C'est quel Matthieu? C'est Matthieu 1 et 2. Voilà.
Lui, c'est un avaleur de la Bible. Je l'aime beaucoup. Merci. Je ne cesse jamais de dire, si j'avais sa capacité, en tout cas, j'allais être très loin. Alléluia. Amen. Que Dieu t'en ajoute encore. Amen. Merci, papa. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que la Bible me dit. C'est ce qu'il y a dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe dans le renoncement de soi? Le renoncement de soi, c'est un chaos de la vision humaine. C'est la destruction des prétentions. La Bible me dit, même Jésus en a subi. Quand il voulait quitter sa divinité, il est devenu homme. Le corps ne l'a pas supporté. Comme quelqu'un qui prenait un pantalon qui n'est pas de sa taille. Souvent je me demande comment font les sœurs. Tu vas la voir porter un pantalon. Vous allez demander ce qu'elle est née ou bien la porter. Un pantalon qui est pareil à sa peau. Donc tu ne sais pas différencier entre la peau et le pantalon. Mais pour elle, elle est à l'aise. Mais je dis ceci. Jésus, quand il a porté la chair humaine, il était gêné. Il ne suffisait pas en ça. Mais il s'est dit, à cause de l'homme, je veux que l'homme devienne Dieu. Il a porté ses pantalons. Il a porté ses mouilles. Il était gêné. Il ne se contenait pas dedans. Et la Bible dit, il est né d'une femme. En naissant d'une femme, les satanistes l'ont vu. Les mages ont vu ça. Mais écoutez, Pharaon, quand il a appris ça, Hérode, il a envoyé des gens pour aller tuer, pensant qu'il allait tuer Christ. Même quand Jésus a porté la chair humaine, il a quitté sa divinité. La Bible dit, il s'est fait homme, quoiqu'il était Dieu, mais dans la chair humaine. Oh, j'ai aimé le monsieur. Le Coran dit ceci. Quand Jésus avait 2 ans, le Coran. Quand Jésus avait 2 ans. Non, quand Jésus avait 2 jours. Il a parlé. De 2 jours. Dans leur Coran. C'est ce que la Bible ne nous a pas dit. Ils disent que Jésus avait parlé. Et là, le Coran va plus loin. Ça, c'est pas moi. J'ai une vidéo qui parle de ça. Un imam qui parle de ça. C'est ce que la Bible nous a caché. Et le Coran révèle autre chose. À 2 jours, Jésus a pris de l'argile. Il a fabriqué un oiseau. Il souffla dans l'oiseau. Et l'oiseau vola. Quelqu'un est avec moi? Acclamons l'intelligence du Coran. Oh! Quand j'ai entendu parler de ces choses, j'ai senti un autre circuit. J'ai compris pourquoi les autres... C'était excusé. Ils ont dit Uzuru. Que Jésus a fait beaucoup de choses. Que la Bible n'a pas pu contenir. Alléluia. Mais le Coran a ramassé pour un peuple qui n'est pas chrétien. À 2 jours, Jésus parla. À 2 jours, il fabriqua un oiseau. Il souffla. Et l'oiseau devint réel. C'est pour seulement dire aux gens des Corans. Jésus, c'est souffle de Yesu vie. Ni ya c'est lui qui entra dans Adam. Pour qu'il devienne corps. Il y a mwili. Pour qu'il devienne esprit. Il y a ro. Pour qu'Adam vive. Il y a Adam ici. Le monsieur là. Oui, mutu. Il a dit quand il a regardé ça. Allez pas regarder il s'est dit non. Mais le Coran me prêche Jésus. Coran nous annonce Yesu. Qu'il est esprit et vie. Comme il ni ro ni uzima. Mais chose que nous les chrétiens. Christ. Nous n'aimons pas comprendre. Jésus s'est défait de sa divinité. La Bible me dit, maintenant il dit aux hommes, je ne veux pas que quiconque vienne auprès de moi par force. Vous savez que si on te force de faire quelque chose, tu vas commencer à renvoyer l'ascenseur pour Mwenyali Kukaza. Utaanza kurudisha tena vitu vyote kwa yule ambaye celui qui t'a forcé. Je connais une sœur
qui s'est marié à un monsieur. Ali olewa na mtu mmoja. Qui avait beaucoup d'argent. Bali kuna pesa nyingi. Mais la sœur ne met pas ses. Bali dada akua anapenda huyo mtu. Mais la famille. Bali jamaa. Accro à l'argent. Il penda pesa sana. Maman préparait la sœur. Mama alikuwa anaanda binti wake. Mais ça c'est le laisser passer de notre vie. Il ne faudra pas louper cette chance. Mais qu'est-ce que nous avons? Mais ça, nous? C'est un Dieu dans la chair qui est venu. Malgré elle, la sœur a accepté. Malgré elle s'est mariée. 5 ans après, le monsieur avait perdu tout ses biens. Vous connaissez la chanson de cette sœur? Quand elle rentre chez elle à sa maison, si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de vous. Vous savez la suite de sa maman? Elle est allée se pendre. Parce qu'elle était la cause du malheur de sa fille. Quelqu'un est avec moi là. Jésus ne veut pas cette responsabilité. Il ne veut pas te forcer dans ton engagement. Il dit si tu veux. Alléluia. Amen. Si tu veux, ukitaka, il te propose. Anakus, il dit, tu veux me suivre. Alors, si tu le veux, alafu, ukitaka, il y a des conditions. Renonce à soi-même. Jikane mwenyewe. Renonce. Jikane. Réveille-toi de la divinité. Va au Mungu. Mais dans ce renoncement, accepte que les choses se brisent en toi. Les choses qui peuvent mettre fin, qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de te posséder, de te mettre debout. Les choses qui peuvent empêcher la parole de prendre place en toi. Il dit, débarrasse-toi de ça. Renonce à soi-même. Soi-même, c'est qui? Mwenyewe ni nini? C'est tout ce que tu désires. Il est heureux de tamani. En dehors de la pensée de Dieu. Kinyume ya fikra ya Mungu. C'est ce soir là. Ni magharibi ya leo. Il va plus loin. Andet na mbali zaidi. Tu renonces. Unajikana. Mais tu vas te charger de ta croix. Na utachukua msalaba wako. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cette croix là? Nous allons kusema nini kupitia msalaba hiyo. Nous allons les comprendre demain. Aujourd'hui, je voulais t'inciter à quitter ta nature, à vouloir te revêtir de la nature de Dieu. Ça traîne dans la rue. Ça traîne dans les églises. Les hommes qui doivent devenir des dieux. Les hommes qui doivent prophétiser. Les hommes qui doivent voir des visions. Les hommes qui doivent vivre le miracle. Et qui doivent devenir eux-mêmes le miracle. Lorsque nous allons renoncer à nous-mêmes, le Seigneur, nous serons revêtus de Jésus. Tout à Jésus. Et nous serons dans notre surnature. Alors je voulais compris. Je vais prier avec les gens qui veulent. Devenir, renoncer à soi-même, c'est un processus. Lorsqu'on renonce à soi-même, on fait taire sa conscience. On fait taire nos connaissances. On laisse la parole prendre place. Pour qu'on vive la parole du Seigneur. Ça, l'Église n'aime pas. Ça, quand je parle de l'église, je parle de toi et de moi. C'est mettre et chercher la connaissance pour que je devienne comme Dieu. Le corps ne va pas t'accepter. La nature elle-même ne va pas accepter. C'est là où quand elle voit que tu es en train de chercher à vouloir à devenir, d'autres opportunités s'ouvrent pour qu'il t'éloigne de ton identité. Réelle. Je voudrais comprendre. Je voudrais que ces 2 jours, 3 jours jusqu'à dimanche, que Dieu nous aide à entrer dans notre surnature. Toi qui es dans la recherche de l'identité de Christ, oh, que par la parole que tu reçoives cette image, et que la force du Saint-Esprit t'habite, que tu quittes, que tu expérimentes la puissance de Christ. Demain, je vais laisser un petit temps des gens qui parlent en langue. Nous allons prier avec 3
trois minutes. Si tu ne parles pas en langue, toi tu vas nous observer. Kama osemaje kwa lugha wewe utatuangalia tu. Regarde comme vous me regardez. Oui, la Bible dit. Biblia nasema. Paul le désire. On a wakati tamaa. Paul dit. Paul anasema. Je désire que tous parlent en langue. Natamani tuseme wote kwa lugha. Le parler en langue. Kusema kwa lugha. Nous amène dans d'autres dimensions. Sio katika vingine viwango. Le parler en langue. Kusema kwa lugha. Fait taire notre conscience. Inazinyamazisha dhamiri yetu. Elimine les phrases conçues. Inatosha maneno ambayo tunawazia. Nous amène dans d'autres dimensions. Sio katika vingine viwango. En tout cas, demain je vais expérimenter. Je vais me choisir des personnes. Nitachagulia watu. Ceux qui parle en langue. On se mettra debout, on va essayer un peu de parler. C'est là où nous allons comprendre. Si tu avais bricolé la langue, on va comprendre ces choses. On va retrouver la langue de Papa Daniel, la langue de Maman Mireille. C'est que le Swahili de Lubumbashi dit, anasema, tu mélanges la semence. Ça se saura. Je veux que quelqu'un se lève pour que nous sollicitons la grâce de Dieu. Celui qui peut se lever, c'est celui qui veut. C'est celui qui veut répondre à cet appel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Nous voulons crier à Jésus. Que Jésus, je vais renoncer. Je vais renoncer à moi-même. Je vais renoncer à mes comportements. Je vais renoncer à mes réactions. Les renoncements. Kujikana. Ce n'est pas la repentance. Aiko toba. Ce n'est pas la repentance. Aiko toba. C'est se refuser. Ni kujikata. Oh, Hébreux chapitre 11. Il dit ceci. Moïse refusa. Moussa akakata. De devenir ce que le monde lui proposait. Il a cherché à rester. Akatafuta kubaki. Ce que Dieu voulait qu'il soit. Un pauvre. Maskini. Un pauvre. Maskini. Il a refusé le palais royal. Alikata. Renoncer, c'est refuser. Na kukujikata. Devenir ce que le monde t'impose. Il ambayo ulimwengu unakushurutisha. Devenir ce que la quête de la vie t'impose. Je veux que tu pries. Tu sollicites la grâce. Il y a des fois on fait ces exercices. De renoncer à nous-mêmes. Mais on n'arrive pas avec nos propres efforts. Sollicite l'aide du Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur. Le monde n'est plus ce que je pensais. Parce que demain, Marakesho, après demain, kisha kesho, que tu veilles ou pas, utakelo stake, tu auras ton vaccin. Utakuwa na ndui yako. Toi qui aimes voyager à l'étranger, kwenda ugenini, tu auras ton vaccin. Utakuwa na ndui. De tout ce qui nous arrive de ces vaccins, ndui, un blanc a fait une vidéo, il a dit, video, akasema, toute personne qui recevra les vaccins, il ne vivra pas plus de 2 ans. Zaidi ya miaka mbili. Ça craint. Inaleta woga. Ça craint. Inaleta woga. Tu es à la quête de ta vie. Uko atafuta maisha yako. La vie va t'amener à la mort. Maisha atakupeleka ufe. Mais si tu cherchais le Seigneur. Bali ukimtafuta Bwana. Le Seigneur te mettra au-dessus de tous les défis. Bwana atakuweka juu ya kila upinzani. Voilà pourquoi nous voulons solliciter. Tatasi. Dites à Dieu, aide-moi. Ambia Mungu nisaidie. À renoncer de moi-même. Nijikane mwenyewe. À renoncer aux méthodes. Nikane mwenendo. De chercher la vie. Ya kutafuta maisha. De chercher le bien-être. Kutafuta uheri. Selon moi. Sasa na mimi mwenyewe. Selon mes méthodes. Sasa njia zangu mwenyewe. Mais je vais opter à ton offre. Nataka nitafute tabia kaza wewe. Suivre. Nikufuate. En renonçant. Nikijikana mwenyewe. Et de prendre ma croix. Na kuchoma msalaba yangu.